Bonjour à tous. Peut-être vous demandez-vous comment vont se passer les consultations à l'Institut Jérôme Lejeune maintenant que le confinement est terminé. En effet, le risque d'infection étant toujours réel, nous devons rester prudents. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs mesures pour la sécurité de tous que nous allons vous présenter. Imaginons que vous ayez rendez-vous à l'Institut dans les semaines qui viennent. À votre arrivée, vous serez invité à vous laver les mains. Nous ferons en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 4 personnes par salle d'attente, ce qui permettra de respecter la distance barrière. Pour cette raison, nous demandons aux patients de ne venir accompagner que d'une seule personne. Si vous avez de la fièvre, si vous toussez, si vous êtes malade, appelez-nous avant de venir. Il sera plus prudent de décaler votre rendez-vous. À votre arrivée, nous prendrons votre température. En cas de fièvre ou de symptômes pouvant laisser penser au Covid-19, vous serez reçu dans un bureau dédié. Nous vous demandons également de porter un masque dès votre arrivée dans les locaux si vous avez plus de 11 ans. Si mettre un masque est trop difficile pour vous, merci de nous en tenir informés à l'avance. Ensemble, nous devons aussi respecter les gestes barrières. Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans le sas d'entrée et la salle d'attente pour que chacun puisse se laver les mains en arrivant. Il est inutile de mettre des gants, mieux vaut se laver les mains régulièrement. À l'Institut, nous travaillons depuis plusieurs semaines pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Les bureaux sont aérés et désinfectés après chaque consultation. Les jouets et magazines ont été temporairement retirés des salles d'attente. Les machines à café et distributeurs de friandises ne seront pas accessibles. Toutes ces précautions sont nécessaires pour garantir la santé de tous et protéger chacun. Respectons-les et soyons vigilants ensemble. C'est ainsi que nous aiderons à vaincre l'épidémie.